Shalom, peuple de Dieu, je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir vous partager une nouvelle révélation par la grâce de notre Seigneur. La télévision et les liens spirituels. Je lis la révélation au nom de Jésus. Amen. On ne s'imagine même pas à quel point la télévision est dangereuse spirituellement. Trop de démons qui passent à la télévision. On aime des démons sans le savoir. Dans la télévision, il y a vision. Et la vision, c'est le regard. Nos yeux sont les lampes de nos âmes. À regarder la télévision, on se souille. Entre les films, séries télé, pubs, musique, c'est des choses subliminaux. Trop d'esprits démoniaques dans la télévision et autour de la télévision. Quand la télévision est éteinte, c'est des portes fermées. Quand on allume la télévision, on invite les démons chez nous. Car ça ouvre des portes au diable. Quand on allume la télé, on invite les diables à rentrer chez nous. Les films, c'est subliminaux. Les séries, c'est subliminaux. Les infos, c'est subliminaux. Les musiques, c'est subliminaux. Dans le rap, c'est subliminaux. À la télévision, trop de langage qui souille l'âme. Car nos yeux, c'est les lampes de nos âmes, mais nos oreilles aussi. Ça a des conséquences de ce qu'on entend à la télévision. Car on voit des souillures à la télévision, mais on entend aussi des paroles impures. Même les infos, c'est subliminaux. Les gens écoutent les infos. Et ça provoque de la terreur, comme par exemple le virus, le coronavirus. Les infos manipulent les gens. Les pubs viennent du diable. Trop de sirènes, des eaux, trop de sexualité, trop de pubs. Et les films, les paroles de rap, et clips, et séries, et autres. Que le Seigneur puisse vous bénir à travers cette révélation, que la gloire revienne à Rabbi. Amen.